Eh bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau magazine de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés et d'innovations dans le monde de la pêche. Et là, encore aujourd'hui, j'ai vraiment une sacrée innovation. Perso, j'avais jamais vu ça, mais peut-être que vous, vous connaissez. Et à ce moment-là, dites-le moi dans la zone commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une turlute révolutionnaire. Eh ouais, une turlute révolutionnaire. C'est vrai que dans le monde de la pêche, c'est pas toujours évident d'avoir de grandes révolutions. On est souvent sur des évolutions et on voit rarement des choses qui innovent vraiment beaucoup dans le monde de la pêche. Eh bien là, Yosuri vient de nous sortir une turlute. Franchement, moi je trouve ça absolument top. La Yosuri Sushi Q Bet Bottom en 3,5. Pas facile à dire, hein. Si vous pouviez nous faire ça en français, ça pourrait être un petit peu plus simple. Bon, bref, une nouvelle turlute à manier style Bashi Bashi, que vous connaissez bien, vous avez vu, hein. On est encore dans la période de pêche des calamars et des sèches, donc vous utilisez forcément des turlutes. Donc on est sur une turlute, voilà, assez... on est en 3,5, donc ça va descendre vraiment assez rapidement sur le fond, donc avec ce côté profilé que toutes les turlutes. Jusque-là, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire en termes d'innovation. Vous savez qu'il y a un truc qui est super important dans la pêche du calamar, notamment, mais aussi de la sèche, c'est quel l'aspect gustatif. Et on sait que souvent, les turlutes comme celle-ci, mais comme toute autre turlute, qu'elle soit de Yosuri, de chez Caperlan, de chez toutes les marques, vous en avez beaucoup, toutes les turlutes ont cette matière un petit peu tissu sur le corps qui permet de mettre de l'attractant dedans. Pourquoi de l'attractant? Parce qu'on sait que quand le calamar veut venir, quand il va sentir quelque chose de naturel en termes de proie, il va avoir tendance à attraper beaucoup plus nettement et donc forcément à se piquer sur la turlute. Donc c'est vraiment très important. Autant je vous dis souvent que dans la pêche du bar, etc., je ne sais pas trop si l'attractant c'est vraiment quelque chose de plus ou pas. Sur la pêche du calamar, c'est clair que c'est un vrai plus. Donc je vous engage à l'utiliser. Alors là, on a quelque chose d'encore mieux. Le encore mieux, je me rapproche et je vous montre. Vous voyez la turlute? Eh bien, voilà son dos. Vous voyez ce dos-là? Eh bien, tout simplement, je vais le faire devant vous. Hop, on a ici des petits points, trois points en silicone. Vous voyez que ça se retire très facilement et qui permettent de retirer cette petite grille. Alors, vous allez me dire, pourquoi retirer cette petite grille? Eh bien, tout simplement, quand vous allez aller à la pêche au calamar et à la sèche la prochaine fois, vous allez emmener avec vous un bout de sardine ou un bout de maquereau, tous ces poissons que le calamar apprécie vraiment. On va imaginer que ce petit leurre souple est juste un petit bout de sardine. Voilà, on le pose sur le dos ici, on prend son silicone, on remet les trois points que j'ai retirés juste avant, et voilà, c'est fait. Et donc là, vous voyez que sur le dos, alors là, c'est pas très beau parce que c'est un leurre souple, mais vous voyez que maintenant, vous avez une turlute, et sur le dos de la turlute, vous avez tout simplement un appât naturel. Ça, c'est assez révolutionnaire parce qu'on est vraiment dans ce mélange. Alors, on avait des vieilles techniques avec des systèmes de cage où on mettait une sardine dedans. Donc ça, c'était une solution. Mais là, avec juste un petit bout de maquereau, donc avec un maquereau, vous allez pouvoir vraiment pêcher toute une journée sans aucun problème. Vous allez démultiplier vos chances de pêcher le calamar. Vous verrez que ça fait vraiment nettement la différence. Et puis, vous allez abandonner tous les produits chimiques qui servent d'attractant parce que là, vous avez un attractant naturel. Parce qu'on sait que quand on est sur la sardine, quand on est sur le maquereau, ce sont des poissons très gras et qui vont laisser des filets d'odeur, tout simplement, dans l'eau. Et je peux vous assurer que le calamar a l'odorat qu'il faut pour pouvoir attraper ça. Alors, cette turlute, elle existe en 6 couleurs. Vous l'avez ici dans une couleur blanc-verdâtre. Vous l'avez ici dans une couleur, j'avoue que c'est mes préférés, des couleurs orangées, jaunes, roses. Voilà, un mélange. Donc ça, c'est vraiment des couleurs sympas. Je vous la sors, vous la verrez mieux. Voilà, ce coloris que j'apprécie beaucoup, mais vous avez d'autres couleurs assez classiques, je vous montre tout ça. Elles ont aussi une caractéristique, tout simplement, elles sont phosphorescentes, ça c'est super important, vous le savez, hein, la vision du calamar lui permet de saisir aussi et d'attaquer beaucoup plus facilement des proies qui apportent un tout petit peu de lumière. Et on parle de prix, parce que dans cette rubrique, on parle toujours du prix. On est sur des turlutes un petit peu haut de gamme, on est loin des prix des très haut de gamme que l'on trouve sur certaines marques. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent. Là, on est sur quelque chose autour de 19 euros. Donc une belle turlute, vraiment révolutionnaire, avec vraiment cette nouveauté qui est vraiment top, 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 à moins de 19 euros. Et puis, vous en avez maintenant l'habitude dans la rubrique. Eh bien, mon partenaire, Action Pêche, Julien, il a rentré ça tout simplement en magasin. Et donc, il vous propose cette turlute avec le code TINILA qui vous permet d'avoir 10% de réduction. On va passer d'un prix de 19 euros à quelque chose comme un petit peu plus de 17 euros. Franchement, à ce prix-là, une telle qualité, c'est du Yosuri, c'est vraiment qualitatif. Moi, je vous le recommande. En tout cas, moi, c'est sûr, il sera dans ma boîte. Voilà, pour résumer, 3,5,
Une turlute qui coule très rapidement, révolutionnaire avec sa petite grille en silicone qui permet de mettre un bout de maquereau, un bout de sardine sur le dos. De très belles couleurs, phosphorescent, quoi demander de plus ? Voilà les copains, si vous avez d'autres produits que vous connaissez qui ressemblent à ça sur d'autres marques, eh bien vous me dites ça en zone commentaire, ça permettra de les découvrir. Et si je suis séduit, ben je les présenterai dans un autre Tendance Pêche. En attendant, je vous dis boujou et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao, ciao !